Dzisiaj mam dla Was coś wyjątkowego. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak żyć pięknie. A na to pytanie pomoże nam odpowiedzieć ikona świata mody i twórca nowego zapachu Avon Life, legendarny Kenzo Takada. Zapraszam. Witam serdecznie. Dziękuję, że znalazłeś czas w swoim napiętym grafiku, aby z nami porozmawiać. Merci, c'est moi. Je suis très content d'être ici. Co sprawiło, że zdecydowałeś się podjąć współpracę z Avon i stworzyć tak wyjątkowy zapach? Depuis certain moment, je voulais créer une parfum. Et juste il y a 2 ans et demi, j'ai eu contact avec Avon. Et bon, bien sûr, je connaissais le nom de Avon, mais c'est une maison incroyable, avec beaucoup d'opportunités pour les femmes. Et c'est pour un créateur, pour avoir fait une parfum avec une maison comme ça. Et avec grande qualité, et maintenant il est quelque chose d'accessible. Et pour beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, tous les pays différents, je trouve que pour un créateur, c'est une occasion géniale. A co dla Ciebie oznacza żyj pięknie? Je pense, moi-même, je suis un peu des fois timide, je n'ai pas confiance, mais j'essaie de vivre avec beaucoup de très positif. C'est ça, quand on est positif, on voit différemment la vie, les autour de nous, quelque chose, on voit des choses bonnes et superbes. Jesteś na topie już od wielu lat. Co sprawia, że jesteś tak w świetnej formie? Moi, j'essaie de, depuis certains moments, j'essaie de, je fais soin de moi-même. Je fais attention, la santé. Et puis, j'essaie de contact avec les jeunes, beaucoup de gens. J'essaie d'être curieux pour les choses qui se passent. C'est très important pour moi. Oui. Co cię inspiruje do tworzenia? Skąd czerpiesz wciąż nowe i tak zaskakujące pomysły? Moi, j'essaie de moi-même, très sensible pour un peu de tout, pour nature, pour être dans toutes les occasions. J'essaie d'être sensible à la nature, qu'est-ce qui se passe dans le monde, le cinéma, au voyage. Et même pendant le dîner, parler avec des amis. Et chaque moment, quand je suis sensible, j'ai un peu plus d'imagination avec positivité. Je trouve que c'est ça qui m'aide pour la création. Et l'inspiration, les voyages, la nature, et tout autour de moi. Nietypowe połączenia i miksowanie wpływów etnicznych i elementów natury to twój znak rozpoznawczy. Czy uważasz, że w modzie wszystko jest dozwolone? Bien sûr, la mode et la mode c'est pour changer, pour amener les fantaisies dans la vie, pour la rêve. Mais bon, quand j'ai commencé 70, la mode était, il y avait à part haute couture, il n'y avait pas grand-chose, peut-être. Tout est permis. C'était vraiment une liberté totale. Bien sûr, maintenant, il y a beaucoup de créateurs, beaucoup de les marques, c'est beaucoup de concurrents. Il y a beaucoup de contraignants. Mais on peut, quand on est sûr, on est. Si on croit, on peut être libre, je pense. Czy masz jakieś inne pasje poza modą? Un peu de tout. Bon, j'aime bien le manger, j'aime bien tous les nourritures. Bien manger. Aussi tous les côtés, les peintures, les musiques, tout ce que. Aussi les vacances, j'aime bien les vacances. Et puis aussi, j'aime beaucoup travailler.
parce que avec travailler avec les jeunes, ça me laisse un peu de jeunes. Słyszeliśmy, że nie jest to twoja pierwsza wizyta w Polsce. Co sprawia, że tak chętnie do nas wracasz? Je suis venu déjà deux fois. Je suis venu à Varsovie une fois, mais je suis venu deux fois pour Fashion Week à Lodz. Il y a 5-6 ans, il y a 3 ans. Et c'est un pays, beaucoup, je pense, beaucoup de culture. C'est très intéressant, c'est superbe. Et même, je suis allé une fois à la maison de Mozart. Non, pardon. Je suis allé une fois à la maison de Chopin, qui était. Il y a beaucoup de Japonais qui jouent au piano. Dans la chambre, Chopin qui est né, ils ont fait piano pour moi. Génial. W świecie mody od kilku sezonów dominują polskie modelki. Co według ciebie jest sekretem urody Polek? No, elles sont belles, belles. C'est comme tout à l'heure, j'ai vu les pétitions de avant. Elles sont pas mannequins, mais toutes elles sont comme mannequins, sublimes. Grandes, fines, blondes, très peau pâle, blanc pâle, les yeux très clairs. C'est vraiment une beauté incroyable. Bardzo dziękuję i życzę udanego pobytu w Polsce. Merci beaucoup. Wiemy już, co słowa żyj pięknie znaczą dla Kenzo Takady, a co znaczą dla Was. Dajcie nam znać w komentarzach poniżej, a tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.